Babima, 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 Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Président de la République. Merci à tous les jeunes ici présents. Je vais demander l'indulgence. S'il vous plaît, ce dont je veux parler, il s'agit des plusieurs sommes d'argent qui doivent bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors, je me donne le privilège, avec tout le respect possible, pas seulement de poser la question, mais d'exposer le problème et de demander la résolution juste après. Chère Excellence, Monsieur le Président, avec votre respect, je fais partie de ce club dont vous venez parler tout à l'heure. Je m'appelle Don Israël Hubert Mbouy. Je suis porte-parole du Club National des Sous-Traitants. Parce que vous venez d'évoquer cette question de la sous-traitance dans le secteur des mines. Ainsi, je vais aborder pour vous exposer réellement ce qui se fait. Prière d'être bref, chers camarades. S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. Doucement. C'est vous. Allez-y. Monsieur le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots, Zijin, Sikomin, Ivanoé, ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux.
En tout cas, c'est une très belle expérience, une première, de voir le premier citoyen du pays venir répondre à la jeunesse. Et comme je l'ai annoncé que nous allons parler sans gants, il fallait lui dire les vérités, les vraies réalités du pays. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il connaît les problèmes de la jeunesse. Et sérieusement, la jeunesse du Congo a besoin d'exceller. Parce que le Congo est un pays extrêmement riche, mais la richesse du Congo ne bénéficie qu'aux expatriés. La richesse du Congo ne bénéficie qu'aux étrangers. Ici était une opportunité d'évoquer les vraies questions qui fâchent. Pourvu que la jeunesse de demain soit mieux préparée, pourvu que demain on parle des millionnaires congolais, que l'on parle des milliardaires congolais comme on en parle en Afrique du Sud et au Nigeria. C'était une opportunité pour nous de nous révolutionner, de mieux faire les choses. Et je pense que le président a été d'une oreille très attentive et c'est une très belle opportunité que nous avions eue. Je ne peux pas venir dans une assemblée de plus de 2000 personnes et parler des choses dont je n'ai pas des preuves. Et pour votre gouvernement, il n'y a pas longtemps, il y avait une plainte contre moi. Pourquoi ? Parce que j'avais accompagné un certain ministre dans le Lualaba, ma province. C'était pour une mission bien définie. Mais il est arrivé, il n'avait absolument rien fait ce qui devait être fait. Vous voyez un peu ? Et quand j'essaie de dénoncer cela, le procureur général de la République m'a appelé parce qu'il y avait une plainte à mon encontre. Et heureusement qu'on a su gérer avec ceux qui nous ont su nous protéger jusque-là. Et la plainte existe encore. Je peux la présenter, je peux la fournir. La vérité est que le président de la République, ses propres collaborateurs, jouent le mauvais jeu. En lieu et place que le peuple se retrouve, ils tournent tout autour pour prendre des pots de vin afin que la population ne se retrouve pas. Qui ne sait pas que la plupart des politiciens sont corrompus au Congo ? Nous le savons tous et c'est la vérité.